Et yo, alors là, c'est ce driver, on va aller à toute vitesse pour vous faire ce mini tips qui concerne tout simplement la façon de se scaler pour freeze les buffs ou encore les monstres de jungle et pouvoir tranquillement les tuer sans prendre de dégâts. Donc alors ça, c'est un switch de position en fait. Donc d'abord pour les golems, ça consiste seulement à tuer le premier petit golem et à switcher entre la position 1 et 2. Donc 2 pour taper, 1 pour désaggro le mob et revenir sur la position la première pour pouvoir retaper ce mob. On passe tout de suite au red buff. Donc le red buff, donc là ça va être, c'est un des plus durs et on peut pas forcément le freeze entièrement, tout simplement parce que les petits nous mettent quand même la patte. Et vous allez voir, je vais prendre très peu de coups, je vais même me faire troll par le raid qui va aller se scaler au niveau des mini sbires, donc des mini monstres, hein, les petits lézards qui sont à côté. Donc là pareil, on aggro en deux, on revient se positionner à un pour reprendre l'aggro et on repart en deux taper. Alors, il est assez simple. Bon, c'est ça à faire avec une distance en IRL, etc. Bon, bien sûr, généralement pour freeze, ce sera très difficile avec des persos corps à corps et vous n'en aurez pas utilité. Donc là, pour freeze le bleu de la manière safe, donc si le top laner adverse décale ou quoi que ce soit, c'est aussi simple. Ça consiste déjà, faut avoir une ward et là, c'est très libre. En fait, vous devez juste ne pas rentrer dans le bush et rester un peu à une distance du bush et il est très facile à freeze. Vous pouvez switcher entre la position 1, 2 et 3 et au préalable, si vous voulez une version un peu moins safe, la version 4 et si je me suis pas trompé, 5. Le freeze total, c'est juste possible sur les golems et les buffs red et bleu. Alors j'espère que ça vous aura plu, encore là c'est un format très court, donc je vous souhaite bisous à tous, bye.